L'idée vient d'abord du fait que depuis la création de l'ACL, le président fondateur, M. Yael Anvam, a toujours fait sortir un ou deux joueurs et il les a toujours amenés en France et au Portugal. Mais chaque année, on a remarqué que lorsqu'on amenait un ou deux garçons, on se retrouvait peut-être dans une situation où on se disait qu'on aurait pu amener un ou tel autre. Mais comme du Gabon à l'Europe, ça fait quand même beaucoup de dépenses et les clubs en Europe ne nous soutiennent toujours pas. Ils attendent toujours de voir le produit à l'œuvre afin de décider s'ils doivent signer ou pas. Donc nous avons pris l'initiative cette saison, donc cette année, d'organiser un tournoi de détection que nous espérons pérenniser chaque année. Donc nous sommes les pépites d'or à ce jour à la catégorie minime et cadette. Pour l'année prochaine, déjà nous souhaitons ouvrir la catégorie D3. Ce championnat de détection nous permet plus ou moins de formaliser, de matérialiser notre idée de projet pour l'année prochaine. Déjà pour cette détection-là, je suis très fier du niveau de prestation parce que je trouve que les fondamentaux techniques, tactiques et physiques sont plus ou moins atteints. J'ai vu 4 ou 5 joueurs intéressants. J'ai vu 4 ou 5 joueurs intéressants. Et je suis vraiment content de ce que j'ai vu sur le plan global. Les gamins ils considèrent cet événement comme une fête. Je vois ils sont contents de s'exprimer, je vois ils ont de la joie. Et ils essayent de jouer au ballon, ils essayent de faire des choses bien. Ça, c'est très important. C'est important. Donc il y a de la qualité, individuelle et collective aussi. Donc ça veut dire qu'aussi au niveau des entraînements, des encadreurs, il y a du bon travail qui est fait.